la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière à Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. But deliver me from witchcraft. So I'm here to say thank you. I killed too many people. I destroyed people's lives, my kids. So I'm here because I've been delivered by God. So I say thank you. Amen. I'm in a joy because I've been delivered by God. I was a witch, but yesterday was a witch. I killed too many people and destroyed people's lives, and I've been delivered from witchcraft. I say thank you to God. Amen. C'est ce qui explique qu'on peut être délivré des œuvres de la sorcellerie. Ailleurs, les gens les brûlent. Ce n'est pas la solution. Il faut aider l'homme, il faut enlever l'esprit qui anime la personne. Pour la rendre encore utile à la société. So c'est comme ça qu'elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Nous allons aussi poursuivre avec le témoignage de la sœur Ida. Qu'est-ce que Dieu a fait pour elle au travers de ce ministère et de son serviteur, le prophète Joël Crasso? What God did for her? Allô? Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, je suis venu ici avec mille problèmes. I came here with thousands of problems. Le serviteur de Dieu m'est fait bénir. Ma fille est délivrée. Because my le prophète m'a donné l'argent pour aller faire mon commerce à Iré. 150 000. 150 000. Je lui dis merci dans le nom de Jésus. Que Dieu met 100 ans sur sa vie. Aujourd'hui, ça va dans mon commerce. Je fais une élevage de poulet. Je suis à 600 poussins. Donc aujourd'hui, dans le mois de mars, j'ai fait fondation sur mon terrain. Donc je dis merci à Dieu. Dans la sorcellerie. Donc après leur délivrance, et comme elle a expliqué sa situation, il fallait l'aider financièrement. C'est comme ça que le prophète lui a fait un soutien financier pour pouvoir relancer ses activités. Alléluia. Donc voici, il fallait cette précision pour que vous compreniez mieux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va chez elle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui. Nous allons partir avec le témoignage du frère Obeke Martin. Obeke Martin for his testimony. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame fortement le Seigneur parce que mon témoignage j'ai été amputé d'une maladie mystique. Et c'est ici que j'ai été délivré. Le prophète Joël Crasso vient te délivrer. Il te montre la voie à suivre. Il te montre comment réussir dans la vie. Après ça, je suis venu ici et j'ai acheté une onction consacrée spécialement pour les affaires. J'ai acheté ça. Il m'a montré comment il faut faire pour que ton commerce puisse marcher. Je suis un agent de santé. J'ai fait aussi les affaires.
And I'm doing my et c'est grâce à son huile d'onction des affaires là. Oil, il m'a montré comment il faut faire. Je fais cela. Je vous dis aujourd'hui, mes activités marchent parfaitement grâce à l'huile d'onction des affaires. J'ai même fait venir un frère. Ce même jour-là, il a même acheté l'huile d'onction là aussi. Bon, c'est un frère qui vend les téléphones. Par semaine, il a besoin de deux fois pour venir les téléphones. Tellement cette activité aussi marche. Et par fini, moi et puis lui, on descend à midi pour aller manger. We go to have et les gens ont commencé à nous critiquer. And people started criticizing et pourquoi c'est eux, les affaires marchent. Business et puis on fait le même travail là, puis pour nous ne marche pas. Et par fin, ils ont commencé à dire que nous, on a fait médicaments d'argent. We made nous, on dit, something on n'a pas fait médicaments d'argent. We said, no. On connaît ce que nous avons utilisé how we et puis nos affaires marchent. Je vous aime, c'est pourquoi je vous témoigne, je suis là ce matin pour vous témoigner. Sinon, je pourrais garder ça personnellement de moi. Donc, ce matin, pour vous procurer de l'huile d'onction des affaires là, après le culte, pour vous personnellement passer, voir l'homme de Dieu. Amen. Je vous ai bien dit, mes activités marchent personnellement. J'ai un moto de service qui coûte 700 000 francs. C'est grâce à mes affaires que j'ai acheté cette moto là. Et le frère qui vend le téléphone, sa moto coûte 500 000 francs. Brother, grâce à nos affaires et grâce à l'huile d'onction que nous avons utilisée, ces affaires marchent parfaitement. Le deuxième témoignage, c'est concernant une dame qui avait un problème d'infection pulmonaire. Ils l'ont reçu à l'hôpital. Ils ont fait tous les soins. They did everything they could. Ça ne va pas. Nothing wrong. Nothing worse. Ils ont fait un papier pour que la vieille puisse rendre à Yam Soko. They gave the paper so that she can. Quand la vieille est sortie de l'hôpital, from the hospital, son fils est venu voir sa maman pour lui dire, est-ce que tu es parti voir tel jeune dans son bureau? Did you go and see this man? La vieille dit non. Elle dit bon, allons on va ce jeune là. Let's go and meet that man. Quand ils sont arrivés dans mon bureau. When they came in, j'ai pris le carnet de la vieille. J'ai vérifié le carnet de la vieille. Tout ce que le médecin a prescrit là. All the en principe, la vieille devait être guérie de zéro. That she could have been healed. Et j'ai dit à la vieille, avec tout ce que le médecin a prescrit, moi je ne peux pas te prescrire d'autres médicaments. Je suis rentré. I went dans mon bureau, j'ai regardé dans mon tiroir, j'ai fait sortir. Il y a toujours une tension sur moi. J'ai fait sortir une tension. Et j'ai donné trois fermetures d'une tension à la dame. Quand on parle de problème pulmonaire, et quand il respire, ta respiration ne descend pas du tout. Tu as les difficultés à respirer. Et j'ai donné trois fermetures d'une tension à la dame. La dame a bu. J'ai fait 10 minutes de mise en observation. 10 minutes après, je lui donnais encore 3 fermetures. 20 minutes après, la mère s'est réveillée, elle respire normalement. Elle s'est rendue à la maison. Je dis à la mère, le lendemain, tu passes me voir. J'ai prié Dieu, il dit Seigneur, lui, l'onction que j'ai donnée à la dame là, qu'elle puisse rendre témoignage le lendemain. Effectivement, quand la mère est arrivée dans mon bureau, elle s'est jetée sur moi. J'ai même tombé. Je suis tombé avec la dame dans mon bureau. Il dit, mais la veille, il y a quoi? Elle dit, mon fils, depuis tu m'as donné l'huile, je respire normalement. Je respire normalement. S'il y en a encore, donne-moi, je vais voir. J'ai même soulevé la bouteille, je lui ai donné, dit, va à la maison avec. Jusqu'à présent, ça va très bien chez la veille. Ainsi, que même toute fonction là a aussi guéri un insuffisant à la retraite qui devait aller à Bijan pour ça. Même toute fonction là a guéri l'insuffisant aussi. Donc c'est pourquoi ce matin, je ne voulais pas cacher tout ce bienfait dans ma vie, ce que le Seigneur a fait pour moi. Je ne veux pas cacher cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus plus fort, plus fort. Merci un peu pourquoi vous recommandez l'huile d'onction. Alléluia. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, vous avez entendu le témoignage de la femme qui était au Bénin.
Elle n'était jamais venue ici, mais elle a envoyé son frère acheter les huiles. Et c'est comme ça, elle a été non seulement miraculeusement guérie, et aussi son frère, tous ceux qui sont venus, elle les a aussi délivrés à travers cette pluie d'onction. Amen. Et c'est pourquoi le prophète a insisté hier pour que chacun de vous s'en détruise. Amen.